Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode un petit peu particulier, vous allez voir très court aujourd'hui. Aujourd'hui on va pas faire d'études bibliques, on va faire une étude de vous finalement. J'aimerais vous soumettre un petit questionnaire. Voilà, ce podcast a plus de 2 ans à présent, hein. Je l'ai lancé pendant le confinement, donc c'était en 2020. Aujourd'hui, on a étudié déjà 2 livres entièrement, hein, chapitre par chapitre. Donc, on a commencé par le livre de la Genèse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 50. On a vu la création de l'univers par le Seigneur. Et puis ensuite, voilà, des histoires assez universelles comme le déluge, la tour de Babel. Et puis ensuite, l'appel d'un homme, Abraham. Et puis ensuite, jusqu'à sa descendance, voilà, les patriarches. Et ensuite, on a continué, on a fait un saut de puce sur l'Exode, hein, sur la partie du désert. On est arrivé directement au livre de Josué, avec la conquête de Canaan, la répartition des territoires entre les 12 tribus. On a vu toutes ces études depuis 2 ans à présent. Alors j'aimerais faire m'arrêter, hein, juste quelques minutes avec vous pour faire un peu un point. J'aimerais vous soumettre un questionnaire, en fait, pour vous connaître, savoir comment vous utilisez ce podcast, hein, tout simplement, qui vous êtes, et puis comment vous écoutez ces études, à quoi elles vous servent finalement. Hein. Alors je vous mets un lien vers un formulaire Google Form. Il y a juste quelques questions, vous allez voir, ça vous prend 2 minutes à répondre, c'est très rapide. Je vous demande un petit peu comment vous écoutez ce podcast, à quoi ils vous servent, à quel moment vous les écoutez, et puis qu'est-ce que vous pensez des podcasts aussi, hein ? Est-ce que c'est assez riche, ça manque de profondeur peut-être ? Est-ce que la durée des épisodes, 20 minutes après environ, c'est ça va ou c'est trop court, trop long ? Sur quel type de plateforme vous écoutez ces podcasts ? Et puis sinon, qui vous êtes ? Est-ce que vous êtes chrétien ? Est-ce que vous êtes d'une autre religion ? Est-ce que vous êtes athée ? Si vous avez des remarques, des commentaires supplémentaires, je vous laisse un champ pour me poser vos questions. Alors, vous l'avez compris, ce formulaire, c'est pour me permettre de mieux vous connaître, savoir comment vous tirez profit de ces études, comment vous les écoutez, pour essayer d'adapter éventuellement, d'améliorer si besoin, ou sinon de continuer sur ce chemin et sur ce format si vos commentaires, vos retours sont positifs. Alors, je vous mets le lien tout en bas de cet épisode, vous avez juste à cliquer dessus, ça vous prend moins de 2 minutes à répondre, c'est très très rapide, mais ça me sera très utile pour savoir comment adapter la suite de ces podcasts. Merci beaucoup de vos retours et la semaine prochaine, on va attaquer l'étude d'un nouveau livre. Donc, il y a un nouveau livre qui est en préparation au niveau des études. Vous allez le découvrir la semaine prochaine. En attendant, j'attends vos retours. Hein. Cliquez sur Google Form, répondez à cette petite enquête. Voilà. Merci beaucoup à tous, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.